Mes chers amis, bonjour. Une femme âgée de 72 ans, fatiguée, se présente à votre consultation et vous montre son hémogramme. Le taux de globules rouges est à 3 800 000 par millimètre cube. Le taux d'hémoglobine est à 8,1 g par décilitre. Le VGM à 66 microcubes. Le CCMH à 29%. Alors que le taux de blanc est à 9 200 éléments par millimètre cube. Et le taux de plaquettes à 266 000 par millimètre cube. Quelle est votre conduite à tenir? Vous demandez un taux de réticulocyte. Vous pratiquez un milligramme chez cette dame. Vous demandez un dosage des vitamines B9 et B12. Vous demandez un bilan martial. Ou encore, vous demandez une électrophorèse de l'hémoglobine. Premièrement, on va analyser cet hémogramme. Le taux d'hémoglobine est inférieur à 12 g par décilitre. C'est une femme âgée de 72 ans. Donc il s'agit d'une anémie. Le VGM est inférieur à 80 microcubes et donc il s'agit d'une microcytose. Le CCMH est inférieur à 32% et donc il s'agit d'une hypochromie. Le taux de globules blancs est compris entre 4000 et 10 000 éléments par millimètre cube et donc le taux de globules blancs est normal. Le taux de plaquettes est compris entre 150 et 400 000 par millimètre cube. Donc au total, il s'agit d'une anémie microcytaire hypochrome. Je rappelle que le taux de réticulocyte n'est indiqué que lorsque l'anémie isolée est soit normocytaire ou macrocytaire. Et si ce taux de réticulocyte est inférieur à 120 000 réticulocytes par millimètre cube, donc il s'agit d'une anémie à régénérative. Et c'est dans ce cas-là qu'un myélogramme est indiqué. Donc le myélogramme n'est pas indiqué en cas d'une anémie microcytaire. Le dosage vitaminique en vitamine B9 et B12 n'est indiqué que si l'anémie est macrocytaire à régénérative et que le myélogramme montre une mégaloblastose. Par ailleurs, l'électrophorèse de l'hémoglobine n'est jamais demandée en première intention, surtout chez une femme âgée de 72 ans. L'étiologie congénitale, une hémoglobinopathie congénitale est écartée. Par ailleurs, lorsqu'on est devant une anémie microcytaire hypochrome, il est indiqué de demander un bilan martial, vu que ce bilan va permettre de faire le diagnostic différentiel de l'anémie ferriprive avec les autres anémies microcytaires hypochromes et notamment l'anémie inflammatoire chez cette femme. Je rappelle que le bilan martial est représenté soit par le fer sérique, la capacité totale de fixation de la transférine et le coefficient de saturation de la transférine, ou encore mieux, une ferritinémie qui est l'examen le plus fiable, car il reflète les réserves en fer. Je vous mets dans la boîte de description deux vidéos qui illustrent très bien comment faire le diagnostic différentiel entre les anémies microcytaires hypochromes. Enfin, un mot sur la thrombocytose. Je rappelle qu'une thrombocytose modérée peut se voir dans 13 à 20% des anémies ferriprives et dans 5 à 40% des anémies inflammatoires selon l'étiologie. Il me reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt.